Donc, je vais refaire un essai avec Shadow 2. Avec lui, par contre, il a une particularité, il a cette platine double simple action, comme l'avait un CZ75. Donc, je vais tirer 5 salves sur des petits cartons des fonds de pizza. 5 salves, et chaque salve se fera double simple action. Pourquoi? Pour voir justement quelle facilité on a à travailler sur cette double simple action, cette platine, et surtout la facilité compte tenu du poids de l'arme à la remise en batterie pour effectuer un deuxième coup en simple action. C'est ça qui est important. L'absorption aussi en double action, on va la voir par rapport à ce départ qui vraiment est très très agréable. Et c'est surtout aussi pour voir l'avantage de cette fibre optique par rapport au pointé de l'arme et tout de suite localiser le point que l'on souhaite impacter grâce à la fibre optique. Donc, 10 cartouches, j'écho 124 grains FMJ. Et t'es à 15 mètres. Comment? Tu Oui, je es me à... suis mis à 15 mètres pile. D'accord. Voilà. Donc là, je désarme le marteau pour partir en double action. Donc le but, c'est pas de se précipiter tout de suite, c'est on pointe, on saute, on shoot et on shoot derrière. Là, je désarme le marteau. Arme vide. Allez, on va aller voir le résultat. Donc la double action est très agréable. Oh, la dernière, t'as un peu baissé, hein? Ouais. Donc la première, on va reprendre la première. Alors, parce que vous Mais t'es réglé remarquerez un peu quand bas, on... peut-être quand même, hein? Voilà, la première, je suis en plein soleil, donc j'ai une luminosité avec la fibre optique, c'est fabuleux, hein. Donc, boum, boum. On a vraiment une grande facilité à remiser derrière en simple action, c'est incroyable de facilité. Et surtout, grâce à quoi? Il y a trois choses qui font qu'on remise facilement. C'est le poids de l'arme, parce qu'on a une absorption maximum du départ de coup. Derrière, on a une facilité de reprendre la cible avec la fibre optique. C'est incroyable, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je vais pour tout vous dire, là, depuis qu'on fait des essais fibre optique avec Michel, je vais en monter sur mes Glock, d'ailleurs, des fibres optiques, et on vous tiendra au courant. Et je vais même en monter sur un Ruger 22-45, un Mark 4. Voilà. Et on vous tient au courant de tout ça, parce que je me suis aperçu de la facilité que j'avais à prendre en compte ma cible avec la fibre optique, c'est incroyable. Donc je gagne du temps pas dans la précipitation, je gagne du temps simplement par rapport à la remise en batterie que je vais pouvoir effectuer et je ne reste pas des heures sur ma queue de détente. Voilà, en gros. Et enfin, la troisième chose, donc je vous ai dit le poids, la fibre optique et le départ qui lui est extraordinaire. Donc là, bon, deux, c'est le contrat rempli, boum boum, là boum boum aussi. Et là, on arrive dans la zone d'ombre, boum boum. Et là, sur la dernière, voilà, ça ouvre un petit peu plus sur la zone d'ombre. Mais on a vraiment, c'est un véritable plaisir, quoi. Donc, c'était pour que les gens qui ont des 715 puissent toujours voir l'évolution CZ et le plaisir que les gens auront à tirer avec cette arme, c'est vraiment bien, quoi. Moi, je ne trouve pas de... J'ai rien à dire. Bon, si ce n'est le poids, mais ça, c'est parce que, je vous l'ai dit précédemment, c'est dû à mon âge, basta, c'est tout. Mais donc, il n'y a rien à dire. CZ, bravo, chapeau. Donc, on va refaire un essai encore sur ce style de tir avec l'autre qui est vraiment plus destiné à l'IPSC. Comme ça, on aura fait un petit tour ensemble par rapport au tir sportif et au tir qui serait un petit peu plus dynamique, quoi. Voilà. Ok. Donc, à tout de suite pour tester son frère. Je vais ramener repère aussi. Oui, j'étais là. Donc, maintenant, on va tester le. Le Le TS. tactical sport, hein, vraiment destiné à l'IPSC, il est un peu plus lourd déjà. Bon, par contre, là, on est sur une simple action uniquement. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer à chaque fois deux coups, comme je l'ai fait précédemment avec son petit frère, sur chaque disque en carton blanc. On verra ce que ça donne. Bon, là, en plus, on est sur la simple action, ça devrait être plus aisé, on va dire. Je vais tirer de la Gold Dot, 124 grains. Okay.
On va reprendre dans l'ordre, hein, comme tout à l'heure. On va pas faire de la gauche vers la droite, on va faire de la droite vers la gauche. Ça change un peu. Ah, la culasse n'était pas bien fermée. J'ai un tout petit problème de verrouillage, c'est rien. C'est un peu perturbant, mais c'est pas grave. Bon. Ça fait une flamme à la bouche, là. Comment ? Elles font une flamme à la bouche, les goldottes, là. Les goldottes. Alors, là, ce que j'ai pu, moi, constater, c'est que, vraiment, faut s'habituer à ce départ. Il est d'une sensibilité incroyable. Ah, ouais, ouais. Sur le précédent, on avait 1,3 kg et des poussières. Mm-hmm. Donc, on va considérer que c'est un départ quasiment IUT, quoi, hein, pour les gens qui font du pistolet sport 25 mètres. Et là, on est à moins d'un kilo, quoi. Mmh. Tu l'as calculé à 900 grammes, ouais. 900 grammes, il faut... Et on a même, quand on n'a pas l'habitude, il faut s'habituer, c'est ce que je dis toujours, il faut s'habituer à une arme. Et on a même peur de se dire, si je viens trop vite sur la queue d'étang, je vais lâcher le coup, quoi. Ouais, ouais, moi, on revient doucement pour que se dire, voilà, il faut associer la remise en batterie, donc la prise de visée, avec ce départ. Il faut faire attention, si vous mettez votre doigt trop tôt, avant que vous soyez en visée, vous allez faire partir le coup. J'avais ça sur appui aussi, où il fallait que je fasse attention à ce que le coup ne parte pas avant que j'ai bien ajusté. Voilà. Ouais. Donc, ouais. Vous voyez, on vous le confirme. Mmh. Moi, en tenant l'arme à deux mains, Michel, en étant sur appui. Non, là, on est vraiment sur un produit, c'est pareil, exceptionnel. Alors, attends, j'ai pas vu de loin ce que ça donnait. Ah, le dernier, tu baisses aussi comme tout à l'heure, c'est marrant. Hein. Voilà, le premier, c'est le meilleur. Le premier, voilà. T'es plein centre. Hein. Boum, boum, voilà, deux coups. Plaf. Mais là, c'est le poids de l'arme qui commence à fatiguer. Un, deux. Non, mais c'est. Un, deux, là, pas de problème. Là, ça commence à baisser, tu vois. Ouais, et le dernier, t'es alors, bon, mais. On restera toujours sur un groupé qui fait à peu près 10. Alors, l'explication à tout ça, c'est les avantages de cette arme. Qui font que je descends. Mais c'est pour moi, ce n'est pas un inconvénient. C'est un inconvénient pour moi, je vous l'ai dit, par rapport à ma tenue d'arme. Mais les avantages, c'est que le poids de l'arme est conséquent. Donc, on a une absorption du coup incroyable. On a tout de suite, comme avec le précédent, sa fibre optique, là, une remise en batterie, donc une prise de visée extrêmement simple et facile. Pourquoi ? Parce qu'on a tout de suite le point rouge dessus, quoi. Et par contre, le départ, il faut faire attention, quoi. Il faut vraiment s'y habituer. Cette arme, il faudra tirer beaucoup, beaucoup pour s'y habituer. Surtout, éviter de faire des choses du style je tire avec une arme dont le départ est un peu plus dur ou en double action. Et puis derrière, je passe à cette arme-là. Vous allez tellement être surpris parce que votre cerveau, il a enregistré un appui d'un kilo 4 à peu près ou un kilo 3, comme si vous tiriez, mettons, avec un Glock à 2 kilos et vous prenez cette arme derrière. Vous risquez de faire partir des coups involontairement, on va dire. Donc, attention, la position de votre phalange sur la queue de détente devra se faire vraiment quand vous avez une bonne remise en batterie et que vous avez fixé votre visée, shooter derrière. Boum. Il faut vraiment souder et après shooter derrière. Si vous commencez à prendre appui sur la queue de détente, comme ça, vous voyez, en prenant votre visée, vous risquez de faire partir le coup. Et quand vous allez prendre votre visée, vous c'est à peu près là avant de redescendre votre guidon, vous allez faire partir le coup ici, alors que votre guidon, il sera encore là, il ne sera pas ici. Donc attendez d'avoir soudé et shooter derrière. On est vraiment sur ce principe d'acquisition et de viser vraiment soudé pour pouvoir tirer derrière. C'est exceptionnel. C'est vraiment... le prix de cette arme est justifié par sa qualité armurière et puis pour le plaisir qu'elle va apporter au tireur. Bon, on est là sur des armes d'exception quand même. Hein. Là, pour des gens qui sont amoureux des armes tout acier, pour ceux qui aiment vraiment... la finesse dans le tir pour obtenir des tirs qui vont être des tirs justes, là c'est l'arme idéale, quoi. On est sur un très joli produit, belle finition, simple, vraiment. Voilà, bon bah merci CZ hein, de continuer à fabriquer des produits de cette qualité. Ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Ils ont une qualité armurière. Comme je le dis, on en parle souvent avec Michel par rapport au PA, par rapport aux petites carabines 22,
par rapport aux fusils d'assaut, etc. Ils sont chapeau. Hein. Donc, faites-vous plaisir, amis tireurs, et puis à bientôt pour des prochains essais, où on reparlera, comme je vous le disais précédemment avec l'autre arme, de fibre optique, parce que ça va vraiment vous aider, quoi. Et le but de ces vidéos, c'est de vous aider. C'est pas de faire un choix pour vous, hein. C'est de vous aider à voir ce qui peut améliorer, effectivement, les groupements que vous pourrez faire au stand. Voilà. À bientôt, merci. Merci Jean.